Au cœur du mandat de l'OMS, il y a l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et le PJ est un instrument pour renforcer ce levier-là. Et donc, voir que des périmètres sont aménagés, mis à disposition des populations qui ne demandent que ça pour être en capacité de produire, pour nous, c'est un motif de satisfaction, malgré, comme je l'ai dit, les innombrables défis, difficultés. Il y en a beaucoup. Je voudrais citer celle-là qui est majeure et qui, de mon point de vue, pose un défi permanent, j'allais dire, depuis la mise en œuvre du volet infrastructure de l'OMS. Il s'agit de la TIFA, qui, comme vous le savez, est le fruit un peu du changement du régime hydrologique créé par, on va dire, les aménagements qui ont été réalisés. Bon, on ne va pas se plaindre sur les aménagements, mais c'est un défi, parce que, comme vous le voyez, cela gêne beaucoup l'eau, du moins la disponibilité de l'eau dans les canaux qui sont créés. C'est un travail auquel nous allons nous atteler, et je crois, avec l'ensemble de nos partenaires. Et cette visite de terrain avait aussi pour but, dans le cadre de la vision des chefs d'État de notre organisation, qui, comme je l'ai dit, est de faire en sorte que la vallée du fleuve Sénégal puisse servir de grenier pour nourrir au-delà de nos pays l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas, parce que le potentiel est là, l'ambition est là, et les moyens sont de plus en plus disponibles. Et donc c'est faire en sorte que tout ce qui est facteur bloquant soit levé. Et je me réjouis donc que ces programmes-là se déroulent normalement. Et c'est pourquoi le troisième projet, parce que c'est de là qu'il s'agit, dont nous discutons aujourd'hui des grands axes, va à la fois miser sur la sécurisation, la sauvegarde de la ressource en eau. Il y a plusieurs programmes de gestion intégrée des ressources en eau à usage multiple. Donc, on a un usage. Parce que nous savons aussi que le travail n'est pas seulement pour lui, mais si on le travaille, c'est top. Vous savez que si on a quelque chose, nous pouvons aussi, nous savons que nous ne savons pas, nous pouvons aussi faire le travail. Donc, c'est ce qui nous a fait top le travail. Il y a des gens qui savent que peut-être qu'ils ont dépassé leur vie et leur vie. C'est ce que nous nous pensons à comment nous pouvons appeler dans ce travail. Donc, l'axe hydraulique, vous savez, c'est le travail. Wax nañ ko fi machine agricole yi ñu wax yoy aussi bu ci yalla andé danañ ci taxaw pour xol mën lañ leen joxé jumtu ay yoy parce que yakar lu leen amal solo lo bu nekké amna ki nga xamé ni jox lañ la tol nga koy bay nor ak nawet muslo arrêté ben yoon yakar né war nga jëfëndiko ay matériel nga xamé dana la permettre lolu nga mën ko def numu waré ndax résultat yi ci yi ngi ci wara am yi aussi nga am ko ci ak numu gëna rafété benen message bi ñu wax moy que né liggéey bi bari na ay entreprise ñukoy liggéey. Si on savait que les entreprises africaines, les entreprises sénégalaises, les entreprises mauritaniennes, les entreprises guinéennes, les entreprises maliennes, les cadres OMVS. Parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire encore.